contrôle physique. Regarde, l'antenne est définie directement pour ta longueur de fondement. Après, tu peux mettre 9 éléments sur 25 mètres ou 7 éléments sur 25 mètres. Enfin, bon, tu peux pas faire n'importe quoi, mais il y a des longueurs physiques que tu peux pas dépasser. Quoi. C'est pas parce que tu mettras 15 éléments sur 25 mètres de long que tu auras plus de gain que 7 éléments. Par contre, tu peux pas mettre 5 parce que l'antenne perdra en gain au bout d'un moment. C'est sûr que si tu es obligé d'aller en l'air, il faut voir les choses en trois.
que nous aussi, comme tu veux trafiquer dans des conditions confortables, ça veut dire pas entendre le bruit quand tu discutes avec la métropole, par exemple, effectivement, il vaut mieux jouer sur l'étanchéité. Il faut bien garder à l'esprit, de toute façon, qu'une antenne qui a beaucoup de gains, c'est qu'une antenne qui a peu de fuite ou pas de fuite, ça part avec les stations, il y a peu de fuite sur les côtés et sur l'arrière. Donc ça va avec une antenne qui a du gain, c'est une antenne qui n'espace pas l'énergie sur les endroits indésirables. Donc, dans tous les cas, moi, je te préconise d'utiliser les antennes à coupure importante. Le choix, ils ne peuvent pas faire. Par exemple, pour des concours, si c'était pour faire des concours, je te dirais, il n'y a pas besoin d'avoir une grande antenne. Puis, au contraire, je vais essayer de comprendre avec la puissance pour se faire écouter le plus large possible. Mais si tu veux trafiquer dans des conditions confortables, bah, c'est plutôt l'inverse. Il vaut mieux rester confidentiel, mis à part en face, que chercher à se faire écouter partout et surtout d'entendre partout. Donc pour les conditions insulaires, hein, comme enfin, pareil, comme toi, à mon avis, ils cherchent plutôt la fermeture. Mais la fermeture, il y aura directement avec le gain, puisque cette énergie ne pas dispersée inutilement sur le fond ou sur l'eau, c'est-à-dire en face. Donc moi, je chercherais vraiment les coupures. Si les caractéristiques données sont fiables, parce que souvent il y a une portée commerciale, tu auras tout à gagner. Si